Coucou, alors bonsoir à toutes et tous. Donc nous sommes le 31 décembre. Donc je fais cette petite vidéo avant le réveillon pour faire une mise au point sur les derniers courriers que j'ai envoyés lundi dernier, en espérant que tout le monde ait reçu son courrier. C'est pour ça que je fais une mise au point parce que je sais qu'il y a des courriers qui ont mis plus de 8 jours à arriver, puisque je n'ai eu des réponses qu'aujourd'hui. Donc nous sommes mardi alors que les lettres sont parties lundi dernier. Alors, je vais énoncer. Alors, il me restera quelques courriers encore à envoyer. Donc ça, c'est l'envoi numéro 2, hein. Donc, j'ai envoyé un courrier à Audrey D de la chaîne House Scrap. Un courrier à Douceline. Un courrier à Kiki, je sais qu'il est arrivé. Un courrier à Chantalou. Un courrier à Kira. Un courrier à Sylvie de la chaîne Bricklochette. Un courrier à Audrey de la chaîne Audrey sans nom. À Valérie de l'atelier de Val. À Ariel D. À Chris Color. À Béa de la chaîne Béadi, à Myriam C, à Greg, à Patricia de la chaîne Patou Recycle et Fabrique, à Isabelle de la chaîne Isacréa, à Claudine de la chaîne Ange Coco, à Anne-Sophie de Anso Oups. Alors elle, je sais qu'elle l'a reçue, voilà, aujourd'hui seulement. À Stéphanie, de Stéphanie Élise. À Cathy, de la chaîne, enfin Cathy Scrap. Je ne sais pas si elle a vraiment une chaîne, mais elle a un nom, Cathy Scrap. Angélique V, de Belgique. Donc elle, elle a une chaîne. Hein. C'est Ange Scrap, je crois. Voilà. À Marie-Noël, de la chaîne Marise Doudoune Salmon. À Cindy, la chaîne Cindy Scrap. Aujourd'hui, j'ai écrit à Dan, Marivonne, Laurence, Dominique, Claudine et Karine. Voilà, donc là, c'est les lettres, les 6 lettres cité dans l'envoi numéro 3, Marivonne, Laurence, Dominique, Dan, Claudine et Karine, je pense que vous les recevrez qu'elles ne partiront que mercredi, vu que demain c'est férié. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi, mercredi. Donc ça partira que jeudi de la poste. Hein, mais bon, les lettres sont faites. Voilà, il me reste encore quelques envois. Alors, si Corinne de la chaîne Foxy Lady m'entend, ça fait plusieurs fois que dans mes réponses, à ses, dans mes, dans ses commentaires, je lui demande son adresse, sa nouvelle adresse, puisque je sais qu'elle a déménagé. Donc, si par mail, Corinne, tu veux bien m'envoyer ton adresse. Donc, j'ai reçu celle de Pamela, de la chaîne 5 à la maison. Donc elle me l'a envoyé. Donc un courrier partira aussi pour elle cette semaine. Voilà, donc là, ça fait 26 courriers qui sont partis lundi dernier. 6 aujourd'hui. J'en avais déjà envoyé 27, 27, 26 et 6 aujourd'hui. Et il m'en manque encore un peu. Voilà. Et j'avais fait aussi, j'avais organisé un petit mini concours pour cette pochette et tout, donc je ferai le petit résultat à mon retour chez moi. Donc ça a un petit retard, mais vous inquiétez pas, je l'avais emmené avec moi. Mais voilà, là je m'occupe de mon petit-fils, le dernier. Voilà, on fait des petites balades ensemble. Je suis super contente d'avoir vu mes enfants, mes petits-enfants. Donc évidemment, je m'occupe du tout petit plus. Donc voilà, pour soulager ma fille. Donc je ferai le résultat de ce petit concours en rentrant. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
Je vous souhaite pour 2020 plein, plein, plein de bonheur, de la santé. On se répète, hein, évidemment, le plus important, c'est la santé. Un peu de sous quand même, voilà. Surtout du bonheur, voilà. Plein de bonnes choses. Et ce soir, un très, très, très bon réveillon entre amis, en famille, voilà. Amusez-vous bien et voilà, on est parti pour une nouvelle année 2020. Voilà. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Et puis je vous dis ben, à l'année prochaine, c'est-à-dire à très bientôt. Allez, passez une bonne soirée. À bientôt.